Yellow, 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 come on, baby. In early 2013, Globalfest celebrated its 10th anniversary as a showcase of world music. 12 groups occupied 3 floors of Webster Hall in New York. Everyone was good. But New York Times critic John Pareles noted that Christine Salem, a native of La Réunion, the French island in the Indian Ocean, was the year's clear standout. For him, she is a custodian and reinventor of Maloya, a Creole music with African roots and trance-like power. Canapé visits the scene. Le maloyan, en fait, c'est une musique qui était interdite à La Réunion jusqu'à dans les années 1981. C'est une musique qui était ramenée par les esclaves et qui vient aussi, qui se chante aussi dans les cérémonies ancestrales. C'est-à-dire, c'est des fêtes où on honore les ancêtres, dans son côté spirituel, on va dire. Et après, il y a toute la partie où le maloya est chanté pour dire. Dans son côté revendicatif, on va dire. C'est aussi un moyen, la musique et le chant, c'était un moyen pour les esclaves pour s'exprimer entre eux, où les colons, ils comprenaient rien ce qu'ils disaient. Et c'est pour ça, quelque part aussi, que la musique était interdite. Moi j'aime bien les percussions, les tambours, j'adore ça. C'est quelque chose qui me prend, qui m'embarque au niveau des émotions, de la sensation. J'aime bien, c'est un peu un retour aux racines, aux racines africaines et malgaches en même temps. Vous avez fait des services cabaret? Oui, moi j'en fais des services, des cérémonies. Alors, c'est-à-dire que je fais des hommages à mes ancêtres. En fait, moi je suis revenu dedans parce que justement à travers le maloya et la musique, un jour sur scène je me suis retrouvé en transe à chanter dans des langues que je ne connais pas. C'est une bonne opportunité justement de faire découvrir La Réunion et de plus avec la culture qu'on a, c'est-à-dire la musique, le maloya. Et pour moi, c'est quand même une fierté quoi, de le représenter à New York. Oh,